Qui côté nous est aujourd'hui? On a un accord politique qui nous permet d'avoir une structure de gouvernance qui peut faire une traversée en transition dans un contexte excessivement difficile. On a une population haïtienne qui attend. Au fil des ans, on a investi des centaines et des centaines de milliards de dollars dans des projets et des programmes. On n'a vu aucune amélioration dans la réalité quotidienne de nos compatriotes. On a fait des plans. On a refait des plans. Les leçons qu'on a apprises de ces plans, les changements qu'on a faits pour pouvoir nous accommoder au contexte, on ne les comprend pas. Sur les 20, les 30 dernières années, on a vu des pays qui avaient les mêmes situations qu'Haïti, des années 60-70, faire des progrès de géant. Et pourtant, nous, nous sommes probablement aujourd'hui plus pauvres qu'on était il y a 15 ans. Je commence mon texte, mon discours, cette installation, bon, ça pour vous dire que le business as usual, la continuité dans ce que vous faites comme vous l'avez toujours fait, n'est pas une option. Premièrement, parce que le contexte est beaucoup plus complexe. Deuxièmement, parce que nous avons un mandat excessivement limité. Troisièmement, parce que nous avons une population qui a été excessivement patiente avec l'État et avec son leadership. Et quatrièmement, parce que Haïti doit rattraper le monde international et la communauté internationale. Ce ministère, pour moi, est un ministère essentiel. C'est pour cela, d'ailleurs, j'ai choisi quelqu'un, je pense, qui pourra vraiment nous aider à structurer et organiser le ministère pour qu'elle puisse jouer son rôle fondamental, qui est de nous aider à utiliser nos ressources de manière la plus efficiente que possible pour pouvoir livrer des résultats pour la population. Votre succès ne peut pas se mesurer à combien d'argent vous avez dépensé. Votre succès doit se mesurer à combien de personnes aujourd'hui auront une amélioration de leurs conditions de vie à cause du travail que vous avez fait. Vous n'allez pas pouvoir vous cacher dans vos bureaux et vous dire que moi j'ai fait mon travail. Ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Il faudra que vous puissiez me dire que le travail que vous avez fait, 100 000 personnes, 200 000 Haïtiens, 400 000 Haïtiens vivent en situation, on connaisse une amélioration de leur vie à cause du travail que nous avons fait collectivement. Je compte sur ce ministère pour me donner un vrai tableau de bord de ce qui se fait, de ce qui va se faire et de ce qui doit se faire. Je compte sur ce ministère pour me dire exactement ce que je fais bien et ce qu'il me faut revoir. Je compte sur ce ministère pour me dire et pour me donner des indications sur la qualité de la collaboration que j'ai avec mes partenaires dans le cadre d'objectifs que nous nous sommes fixés comme Haïtiens. Je compte sur ce ministère pour m'aider à reprendre le contrôle, la vision et la direction que nous voulons donner à notre pays. Je sais que c'est un ministère qui a des cadres excessivement compétents. Je veux pouvoir compter sur ce cadre. Mais je vous dis tout de suite, nous avons 20 mois pour réaliser un travail titanesque, pour remettre le pays sur les rails, pour redonner au pays une gouvernance démocratique, pour améliorer la situation de vie de plusieurs centaines de milliers de compatriotes qui vivent en situation de vulnérabilité extrême, pour continuer à gérer des urgences qui ne manqueront pas de venir, et en même temps pour informer, éduquer, sensibiliser et faire participer la population dans le processus. On a parfois l'impression que ce travail est un travail technique, comme si le travail technique pouvait s'isoler de la réalité du quotidien de chaque Haïtien. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas la vision. Il faut que le travail que vous faites soit en relation directe avec l'amélioration de vie et de conditions de vie des gens que nous sommes là pour servir. On est à un moment particulièrement difficile, mais je suis très optimiste. Je crois vraiment que nous avons ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Le fait qu'on ait pu avoir un conseil présidentiel de 9 membres d'horizons divers qui se sont réunis pour s'entendre à la fois sur un premier ministre et un cabinet dans un temps record de 7 jours me dit que peut-être que les choses sont en train de changer pour le mieux. Le fait que la communauté est en train de se rassembler pour voir comment est-ce qu'on peut agir ensemble sur les questions d'intérêt commun me dit que nous sommes en train d'avancer pour le mieux. Mais ça va prendre le leadership du gouvernement et de l'État. Ça va prendre notre capacité à rassurer la population qu'on est là pour elle. On sait où on va, qu'on a défini avec elle une direction et qu'on va livrer sur les promesses. Depuis que moi je suis à même de suivre ce qui se passe au niveau gouvernance dans ce pays, les discours se suivent. Et le feedback que j'ai de la population, c'est qu'on a déjà entendu suffisamment, on veut voir l'action. Donc je vais vous demander en toute urgence
de me préparer, de me présenter dans les prochains jours, des interventions critiques que nous pouvons mettre en place rapidement pour que la population puisse commencer à sentir une amélioration dans ses conditions. Je vais vous demander de travailler avec les ministères concernés. Nous allons avoir la retraite dans les prochains jours. Nous allons finaliser les feuilles de route. Nous allons regarder un peu ce que nous avons comme possibilité d'investissement et nous allons travailler très, très vite et très, très fort. Et c'est ça que je veux vous demander aujourd'hui. Maintenant, pour revenir un petit peu au protocole, puisque la cérémonie l'exige, il me fait plaisir vraiment de procéder à l'installation de Mme Kaitlyn Forrestal en qualité de ministre de la Planification et de la Coopération externe. L'accession à ce poste de grande responsabilité lui confère une obligation de résultat qui fait écho aux attentes de la population aux abois depuis plusieurs années. Ce ministère qui se situe en amont et au cœur de l'action gouvernementale est parfois soumis à des situations ubuesques et à des années-lumière de sa véritable mission qui est d'irriguer la gestion publique de politiques rationnelles, d'une méthode d'action et une mise en cohérence des initiatives gouvernementales. Les difficultés de parcours qu'a connu ce ministère causent souvent des dommages importants à un édifice qui a vu passer la plupart des grandes figures de l'administration publique depuis CONADEP jusqu'à l'institution que nous connaissons aujourd'hui. Celle-ci est certes perfectible, mais revêt une importance indispensable dans la gestion publique. Avant d'aller plus loin, je veux quand même remercier le ministre sortant, M. Yves Pierre, pour avoir servi la République à ce poste de grande responsabilité avec courage et détermination. J'espère vraiment que, je sais que votre cœur est avec ce ministère et que vous allez rester engagé et connecté avec nous pour nous aider à prendre des leçons que vous avez eues au cours des dernières années et pour nous aider quand même à construire sur le fondement que vous avez vous-même établi. Distingués invités, mesdames, messieurs et madame la ministre, si le Conseil présidentiel de transition et moi avons confié cette responsabilité fondamentale à une professionnelle et à une femme de votre trempe, c'est notamment parce que nous sommes convaincus de votre appétence pour réussir la mission, et vous l'avez d'ailleurs prouvé, pour systématiquement réussir et produire des résultats dans les missions qui vous sont confiées. Votre parcours professionnel, tant en Haïti qu'à l'étranger, témoigne d'une régularité, d'une rectitude que seules les personnes munies d'un destin particulier peuvent accomplir au prix d'un travail acharné. Cependant, les défis qui vous attendent sont de notre ordre. Ce ministère ressemble à notre pays dans sa sociologie et dans sa culture. Il est parfois traversé par des convulsions qui méritent de l'attention, de l'écoute et de l'empathie. Néanmoins, ce ministère constitue également, malgré la fuite de nos meilleures ressources humaines, un creuset de professionnels habités par l'esprit de service public, et nous devons pouvoir capitaliser sur cette richesse. C'est donc, Madame la Ministre, sur ce socle important et à la tête d'une équipe, je le sais, motivée, malgré les vicissitudes de l'air, que vous allez entreprendre des chantiers importants. L'un des chantiers fondamentaux de votre mission consistera à remettre de l'ordre dans le programme d'investissement public afin que les projets courants au développement ne constituent plus une variable d'ajustement de la gestion publique. Parallèlement, il faudra repenser le système national de planification afin qu'il ne soit plus perçu comme un mécanisme théorique évoqué à chaque grande réunion sans qu'on ne comprenne sa pertinence et la matérialisation de sa mise en œuvre. Dans le même ordre d'idées, vous aurez la lourde tâche, en vous appuyant sur les ressources de ce ministère, de remettre de la cohérence dans les diverses initiatives publiques à travers le pays afin que les actions publiques ne se dispersent plus dans les éternelles incohérences émotives et partisanes. Vous aurez également à travailler dans le cadre de l'aménagement du territoire avec le ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales que je dirige afin de relancer certains projets essentiels au renouveau des territoires. Enfin, étant une spécialiste des relations internationales et ayant beaucoup travaillé sur les sujets de coopération, vous savez autant que moi que toute l'importance que revêt ce volet au ministère. En effet, la coopération externe ne doit plus constituer une officine de recherche et de délivrance des bourses d'études, mais doit jouer pleinement son rôle d'acteur majeur aux côtés des autres institutions publiques. Distingués invités, madame, messieurs. Pour finir, je tiens à vous dire que l'articulation entre le ministère de l'Économie et des Finances et celui de la Planification et de la Coopération externe ne trouve pas sa source aujourd'hui dans l'attribution de ces deux portefeuilles à un même ministre.
Une symbiose a toujours existé dans ces deux institutions, dans la complémentarité lors de l'élaboration, l'exécution et le contrôle du budget d'investissement, dans la synergie d'action entre les aspects de la planification et l'économie liés aux velléités de politique publique, et évidemment dans les habitudes de travail harmonieuses entre les cadres des deux institutions. Il ne fait donc aucun doute que cette symbiose se perpétuera durant toute la période que durera cette mission et au-delà, afin de mettre les ressources et les énergies aux bons endroits. Je vous souhaite donc bonne besogne, Madame la Ministre, et croyez en mon soutien de tous les instants. Chers amis, collègues, on va se mettre au travail tout de suite. Je n'ai aucun doute qu'on va pouvoir apporter les résultats qui sont attendus de nous. Je vous remercie de votre patience, de votre flexibilité, de votre engouement. Je sais que les dernières années n'ont pas été faciles pour nous, mais c'est le moment pour nous de prendre une petite pause, de regarder en avant, de se fixer des objectifs communs et de se dire qu'on y va.